Yo les amigos, c'est Mortelius, on est sur Dopus pour côté nouvelle lecture de notre heure et on parle au professeur Maximilien, on lui demande s'il a un travail pour nous, il nous demande si on connaît Diane Fossé. C'est une des premières Dofusiennes à être venue en Étrésor. Elle dit qu'elle se bat ardemment contre les braconniers. Et donc elle nous dit, est-ce que tu peux aller t'occuper des braconniers, leur retirer les défenses, enfin les défenses qu'ils ont volées, et les donner ensuite à Diane Truc, qui pourra les brûler par elle-même. Donc là on arrive ici, première étape, on parle au braconnier solitaire. Je suis occupé, barre-toi de mon soleil ou je t'écorche. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Quoi? C'est pas qui parle le petit... Ouais là nous on est fâchés nous. Je sais pas pourquoi il a fait ça, mais le regretter il va. Haha. Voilà, j'ai fait un tchac. Il faut qu'ils viennent au cac. Donc pas trop compliqué, hein. Ce sont des bandits comme les bandits roublards qu'on connaît, hein. Voilà. Donc il n'y a pas de quoi trembler comme une petite prostituée. Là, là, là. Hop, hop, et hop. Voilà. Pas trop compliqué. On a récupéré une défense déjà. Ensuite, on doit aller plus à là. Hop. On marche. Ah. Là, braconnier en famille. Attaquer la famille de braconnier. Ils sont deux, trois. Trois et trois, c'est une famille. Hein. Je crois. Peut-être. Je sais pas. Hop. Hop. Allez, go. Je suis chaud, on va les démonter. Ça, c'est pas cool, hein, quand même. Bref, ne t'excuse pas pour un maléfisque. Je suis partant. Pas de soucis, mon ami. Pas de soucis, je termine ma quête et je rétrécirai. Yo, yo, pas de soucis, je termine ma quête et j'arrive. Qu'est-ce que je fais? Toi, oh, filou que tu es. Toi, et toi. Voilà. Yes, ouais, oui, on aide, on s'entraide ici, c'est comme ça le jeu. Moi j'ai toujours mis un point d'honneur sur l'entraide. Voilà, c'est tout. C'est vrai, hein. C'est important l'entraide, hein. Et voilà. Bon, pour le chat, vous en doutez, c'est pas si grave, hein. Oh, c'est vilain braconnier. C'est vrai qu'en vrai, je suis pas fan des braconniers. Même dans la vraie vie, hein, bon. C'est pas mes meilleurs amis, quoi. Crottin. Crottin, j'ai dit crottin, tout à fait, oui. Hop, hop. Allez, venez, venez. Je sais que les gérer, je vais les gérer, donc ça, ça va. J'ai pas trop d'inquiétude par rapport à ça. Je gère. Bah là en vrai combat, si vous avez un lumineux, encore une fois j'insiste, je pense vraiment que pour faire comme je fais, hein, les quêtes, je vais en long et en large, mais voir faire les quêtes comme ça, je pense que le lumineux c'est quand même notre meilleur allié, franchement. Je trouve qu'il est vraiment ouais, il aide, il peut super bien aider quoi. Le lumineux, il n'y a rien à faire. Votez lumineux. Maladie. Oh, t'inquiète. Je connais, je l'ai déjà faite. Je l'ai déjà faite, mon jeune ami. Bim.
Voilà, encore les défenses faites. Plus qu'un groupe. 5. Ouf, ils sont beaucoup, ça, 5. 5, ça fait peut-être un peu beaucoup, mais bon. On va essayer, on va essayer, on va essayer, on va tout faire pour y arriver. En fait, on va se cacher. Hein. Ouais. C'est mieux de se cacher, je pense. Regardez. Se cacher, c'est le mieux pour l'instant. On dirait pas, hein, mais... Là, si j'allais foncer dans le tas, le temps que j'arrive, ils m'auraient tatané. Vous voyez? Là, ils vont juste me mettre des petits pièges, en retirer des PA. Ah, c'est pas... Y'a pas de quoi, vous voyez? Voilà. Voilà, on bouge pas. Pas de problème, vous voyez. Si on bouge pas, il nous voit pas. Non, ça c'est des grosses couilles. Allez. Tiens, oh, c'est long. Petit problème, c'est que tout ça, c'est les pièges. Mais bon. Si vous comprenez bien ma technique, votre avis c'est laquelle? Et ouais, je me mets là, je me soigne infini. Et les gars devant moi, je les déglingue. Un par un, deux par deux. Je vais faire comme ça et je vais les exploser. À moins que lui il avance. Oh, beau, ça c'est beau ça. Voilà, on se met là. Regardez ça. Voilà, c'était prévu. Tranquille, regardez. Moi j'ai pas de problème. Moi. Je vais quand même aller vers là. Parce que sinon ça va les disperser un petit peu trop. Garde derrière, tout, hey, tout, hey. Ah, toi tu vas, vous deux, vous allez juste morfler quoi. Voilà, en live, comme ça. Ah, moi, quand je dis que je fais mal, les gars. Je suis pas là pour rigoler, hein. Hop, comme ça je ne reculerai pas face à l'adversité. Oh, c'est pas beau ça en vrai. Oh, j'ai envie de pleurer. Oh, quand je vois ça, j'ai envie de pleurer. C'est tellement beau. Voilà. Hop. Hop. Eh oui, je suis comme ça. On m'appelle El Défenseur de Braconias. Yas, brababra. Pratisavas. Voilà. Ah, j'ai tout juste à faire ça une fois. Hop. 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 Ça va, hein, franchement, les gars, ces braconniers, ils sont pas ouf dingue, hein. Peut-être qu'on s'éclatait, hein. J'aime cette petite quête, par contre. Elle sort un peu des autres, échange un peu des autres. Oh. Je crois qu'ils le faisaient exprès, ils ont dit tuez-nous. Ils étaient en train de me dire tuez-nous plus vite. C'est obligé, non? Ah, quand vous voyez ça, là... Pas fait exprès de se mettre là lui. Moi non plus alors. Et voilà, prochain tour, il n'y aura plus de braconniers. Donc au début c'est 1. 1, 2, 5, 1, 3, 5, je sais plus.
Et voilà. Comme ça, c'est finito. Vous vous cassez. Vous suivez le chemin tout droit. C'est le chemin surnommé le chemin tout droit. Qui va là, en fait, au Foreur. Au DJ du Foreur. DJ Fossil, plutôt. Hop. On va aller voir Daphné et trucs, là, pour lui dire... on l'a fait. Ça, hein. Voilà ça. Ah non. Donc elle explique que elle adore les foreurs, toutes ces créatures très intelligentes. Puis elle dit qu'elle a elle surveille l'entrée du fossile parce qu'elle a créé beaucoup de dégâts et donc elle est là pour le surveiller pour pas qu'il sorte. Alors elle dit, on lui donne les trucs, elle dit j'espère que vous n'avez pas été tendre avec eux, je vais détruire les défenses afin que personne ne puisse en tirer le moindre travail. Voilà, dire que vous travaillez pour le professeur Maxilo et proposer votre aide. Pop pop pop. Quête suivante ça. Allez. Salut Pichou.